Nous avons démarré la distribution des prix de cette année par l'école primaire de Ndiaoudoune. Alors, c'est une cérémonie solennelle qu'on a débutée il y a 3 ou 4 ans. Et chaque année, on l'augmente en volume et en nombre d'écoles couvertes. Nous avons démarré à 7 écoles. Aujourd'hui, cette année, nous sommes à 11 écoles. Donc, c'est une distribution qu'on fait dans le cadre de notre responsabilité sociétale d'entreprise, dans l'environnement immédiat. Cela veut dire les villages qui nous ont accueillis depuis des années et dans lesquels nous avons notre bassin d'emploi. Bon, en cela, bien sûr, depuis des années, on se lie en relation de partenariat avec les autorités académiques qui nous accompagnent dans tout cela. Cette année, l'innovation a été qu'on a fait dans l'équité, cela veut dire en fonction du nombre des classes et en fonction des nombres des élèves, pas une distribution égalitaire, quel que soit le nombre et la dimension des écoles. Donc ça, c'est une innovation qu'on doit aux autorités académiques. Voilà, on souhaite aussi nous inscrire dans la durée. Cela veut dire que quelles que soient les difficultés conjoncturelles auxquelles on fait face, ces distributions de prix à l'ouverture des classes et la distribution des prix, fourniture à l'ouverture des classes et distribution des prix à la fin de l'année scolaire sont inscrits dans nos agendas et on souhaite le faire de manière pérenne, tant que nous serons là en train de faire des activités. Je sais que le budget a augmenté cette année, sauf à me tromper, nous sommes à 2 400 000, d'accord, de budget de fourniture qu'on a distribué. L'école de Ndiaoudoune, je l'ai dit tantôt, a la plus grosse part parce qu'elle a en termes de classes et d'élèves les quantités les plus importantes. Saluer l'acte de GDS qui est un acte de partenariat très fort entre le ministère de l'Éducation et les sociétés qui sont ici au niveau de la zone de Ndiaoudoune. Cet acte, comme vous le savez, est un acte fort pour le ministère de l'Éducation, mais aussi pour l'IF Saint-Louis département. Et ça va permettre aux parents qui avaient l'habitude d'acheter, de sortir de leur poche, leur argent pour aider les enfants d'économiser un peu et de s'occuper à autre chose. Ça va permettre aussi aux enseignements apprentissage de démarrer très tôt, comme vous ne l'ignorez pas, avec le slogan « Ubitei, Djangitei », il faut vraiment des moyens. Il faut aussi la mise en synergie de toutes les actions au niveau aussi de l'espace scolaire pour que ça puisse réussir. Et je pense que ce que vient de faire les GDS est un apport très fort pour cette action. L'école Ndiaoudoune, nous avons tambalé sur une distribution de fournitures scolaires, de dimbalé khaleyi, de dimbalé parents d'élèves, de dimbalé surtout autorité académique ak ngour gi nga xamné ñoko waron def té sen loxo jotul sen ganaw. Ñun ñu nek fi société bo xamné ñu ngi fi depuis presque 13 ans di liguey. Tundu bi teruñu dalal ñu jox ñu ay souf yu ñu liggéeyé. Donc suñu kom suñu ko mayé dañuy bëgg chaque fois ñu délo ñu nitam jukkel élève yi parce que ñom ñoy nek magu ëlëk. Donc ñu ko tambalé won ay at ci gannaaw ci juroom ñaari école ren ñu ngi ci fukki école ak ben. Donc liñu soppi ren moy que école bu ci nek dayom ci classe ak ci élève non lañ lay joxé say fourniture baña jël rek sédélé ko de manière équitable nga xamné école yu tuti dañu am lu reuy lo xamné sa day ëpp seen bëgg bëgg ñu magi duñu am lu len ki motax ren autorité académique yi dimbalé ñu ci xalaat bobu ba sédélé bi dal ku ci nek ak sa doy tollu way ak sa dayo ci élève ak ci classe lool lañ lay joxé.